Eh bien bonjour tout le monde, on se trouve aujourd'hui en République Tchèque chez Katanga. Katanga qui est plus connu pour l'instant comme le constructeur du vélomobile WOW. Et aujourd'hui on se retrouve en cette matinée d'hiver devant le Pony Fort. Alors Stéphane, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est ce nouveau véhicule. Bon voilà, le Pony Fort, c'est un vélo à 4 roues. Et il est plutôt utilitaire, donc il se dirige vers un public qui soit veut des facilités de charge ou une stabilité accrue comparée au vélo de roues, ou même trois roues, parce que la quatrième roue offre une stabilité exceptionnelle. D'accord, on voit qu'il y a de plus en plus de 4 roues qui sont lancées par certains fabricants. Et pourquoi avoir fait le tien? Katanga, nous aimons développer des solutions pour éviter qu'un client doit se déplacer en voiture. Donc le WOW est une solution pour quelqu'un qui recherche la vitesse. Et le Pony 4 est une solution pour quelqu'un qui recherche une solution de cargo. Et au fait, ma grande motivation a été que je cherchais une façon de faire du vélo avec mon chien. Et donc je suis le premier utilisateur du Pony 4. D'accord. Et en fin de compte, là, en termes de fabrication, il a l'air relativement simple. Explique-nous un peu comment voilà, il a été conçu. Le concept ne vient pas de Katanga, c'est de Vélomo, une petite entreprise allemande. Et c'est un design très simple. Donc il y a des suspensions, des lames de suspension qui en même temps tiennent les roues, ce qui fait qu'il y a très peu de pièces et ça offre quand même un vélo entièrement suspendu. L'amplification, c'est le gros tuyau 50 mm en chrome molybdène qui tient toutes les pièces. Donc c'est un concept très simple qu'on arrive à fabriquer en grand nombre à coût relativement simple. Une troisième caractéristique technique qui fait que le vélo est simple, c'est l'utilisation du pinion comme transmission qui permet d'avoir toutes les vitesses dans le pédalier et avoir juste une chaîne qui va jusqu'à l'axe arrière. D'accord. Je peux le soulever si tu veux. Ouais. Donc à l'arrière aussi, c'est des lames, des lames composites qui font la suspension. Et donc là, pour l'arrière, il n'y a pas de différentiel. Il n'y a pas de différentiel. Par contre, il y a deux roues libres. Chaque roue libre est cachée contre la roue dans cette pièce. Ce qui permet que toujours la roue la plus lente soit la roue motorisée. D'accord. Ça évite aussi le patinage. D'accord. Et donc, si j'avais bien compris ce que tu m'avais dit, il y a plusieurs tailles de châssis finalement. Ça, c'est la version la plus courte, oui. C'est ça? Disons, nous avons une version courte et légère. Ensuite, nous avons une version courte, mais qui est plus solide, qui permet une charge plus lourde. D'accord. Et ensuite, on a la version longue pour charge lourde. D'accord. Et donc ça c'est le tien, on va dire que c'est un des premiers à avoir roulé, c'est un peu le prototype. Et donc dans celui-ci tu prends ton chien. Oui, voilà, donc j'ai fait entre temps plus de 3000 km avec. Oui. Donc j'ai monté sur la plaque de transport, j'ai monté une cage classique pour chien. Oui. Là je ne transporte pas mon chien, je transporte des bouteilles vides. Des bouteilles vides, d'accord. Et j'ai fait un petit tapis pour mon chien, donc il est bien à l'aise. J'ai fait un trou en haut, comme ça il peut sortir sa tête. Ouais. Mettre la tête au vent. Rico, qu'est-ce que tu regardes? Non. Qui arrive là? Qui arrive? Qui arrive là?
On y est. Youpi. En hiver, comme tu dis, c'est un peu un prototype, j'essaie plein de trucs. Ouais, ouais. Je suis aussi en train d'essayer un carénage pour limiter le courant d'air sur le corps. Et ça fonctionne très bien. Ça permet de ne pas sentir le froid. Et ça améliore même l'aérodynamique. Donc c'est une pièce qu'on va probablement dans l'avenir rajouter à nos options. D'accord. C'est aussi une version avec une version motorisée plus avancée qui permet de transporter des charges sur des collines, donc avec le moteur pédalier et une transmission roll-off intermédiaire. D'accord. Donc dans ce modèle-ci, on abandonne le pignon, la transmission pignon, mais c'est uniquement pour les gens qui ont besoin d'une version motorisée pour déplacer des charges dans les collines. Ok, bah, c'est super. Et là, ce véhicule, ce modèle, donc, il s'appelle le Pony 4 ou Pony 4? En anglais, on dit Pony 4. Ouais. On peut très bien dire Pony 4. D'accord. Mais disons qu'on utilise 4, ça veut aussi dire pour en anglais. Donc, par exemple, on pourrait dire ça c'est Pony 4 Dog. Okay. Et on peut développer Pony 4 Family. Donc, on a des possibilités dans le marketing d'utiliser le numéro 4. D'accord, donc en fait ce modèle il va pouvoir se décliner en plusieurs utilisations. Oui, c'est le but. Donc on a un site web déjà, pour le moment il est en anglais et en allemand, et bientôt on rajoute la langue française. Donc le but est qu'on va développer des options pour un groupe d'utilisateurs particuliers et essayer de le faire entrer dans le marché de cette façon-ci. Donc, comme j'avais le chien, j'ai commencé avec le Pony 4 Dog, mais on travaille sur Pony 4 Family, donc pour des mamans qui veulent faire des achats et en même temps transporter leurs enfants. D'accord. Et est-ce qu'il est déjà commercialisé ou est-ce qu'il est encore en cours de développement? Donc le développement est terminé. Bien sûr qu'on a des options qu'on veut continuer à développer. Mais pour le moment, le développement est terminé. On est passé à la vente. Commandes ont été déjà livrées ou sont en cours de livraison. D'accord. Et si je veux acheter ou essayer un Pony 4, où est-ce que je dois m'adresser? En France, en tout cas? Il y a plusieurs possibilités. C'est un produit qui se permet d'être vendu directement. Il est assez facile à entretenir. Et nous sommes en train de développer des vidéos pour montrer comment. Mais pour les gens qui veulent le tester, qui veulent l'essayer, ils peuvent par exemple aller chez Cycle GV, qui a un vélo en commande et qui, courant janvier, l'aura dans le magasin. D'accord, donc le premier modèle de démonstration sera chez Cycle GV Fenu en Vendée. C'est exact. Super, très bien. Bon, maintenant qu'on a vu à peu près le concept, il n'y a plus qu'à faire un essai sur la route pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors là, je roule sans les mains. Donc ça se tient très très bien. Bon, rien de particulier. C'est forcément pas un vélo pour faire de la vitesse, évidemment. Il n'y a pas de bruit. Ici j'ai une poignée tournante qui me fait mon changement de vitesse. Attends-moi Stéphane. Hop là. Donc on a un braquage qui est très serré, ce qui permet d'avoir une maniabilité qui est très appréciable. Alors Stéphane est en train d'essayer une version avec le moteur en dessous du siège. C'est très ludique. Et donc là, je vais tourner autour de celui-ci. Et comme le rayon braquage est assez fort,
ça permet de faire des plans, des rotations, c'est joli ça. Bon, c'est vivre un peu. Alors reste un peu assis dessus Stéphane, qu'on puisse bien constater en fait à quelle hauteur on est placé. Finalement c'est assez élevé. Hein. Pendant que je roulais, je disais que le ressenti c'était un petit peu comme un tricycle couché, sauf que les tricycles couchés on est quand même beaucoup plus bas. Non, effectivement on est plus haut. Ouais. On maintient une bonne stabilité grâce à la quatrième roue et on peut placer le siège plus haut, ce qui est surtout un avantage en ville. Quoi. Oui, parce que là, la hauteur de ta tête, je dirais qu'elle est à 1m20, quoi. Ouais, on est presque à la même hauteur que les voitures. Oui, oui, c'est ça. La visibilité est beaucoup. Et là, oui, tu poses facilement les pieds par terre aussi, hein, je dirais. Ouais, c'est simple. Ouais, oui. On a les freins à main pour bloquer les roues. D'accord. Hop, on s'élève. Un engin très simple d'utilisation, oui. Très utilitaire. Alors certains à qui j'avais montré l'engin en photo me disaient « Ah, le siège est beaucoup trop redressé, c'est pas ce que je veux », mais en fait, compte là, on vient de vérifier, hein, on a incliné les sièges. Disons, ils sont pas forcément à leur maximum, mais c'est déjà pas mal. Et comme ça, ça me semble être tout à fait convenable pour quelqu'un qui vient du monde du vélo couché. On va retrouver à peu près les mêmes repères. Hein. Bon, c'est très ludique hein, comme engin. C'est vrai que ce côté utilitaire qu'on peut avoir sur la plateforme à l'arrière, c'est assez, ça laisse pas mal de potentiel pour ceux qui veulent rouler en ville, parce que déjà il y a de la hauteur. On voit celui-ci, avec ses éclairages, déjà il y a une surface qui est possible à équiper, on peut mettre tous les éléments de sécurité nécessaires. Pour les faire, c'est cool. Les vélos courts, donc sur la version longue, la plateforme est 30 cm plus longue. D'accord. Non, c'est chouette. Il y a la version moteur simple qui consiste à placer sur la chaîne. Oui. Donc on maintient la transmission pignon. D'accord. Et on place sur la chaîne un moteur de roue avant, oui. De vélo. D'accord. Et au lieu de monter le disque à frein ou le frein à disque, oui. On monte un pignon dessus, ouais. Et donc ça fonctionne très bien, c'est une motorisation qui ne coûte pas trop cher, qui est légère et qui aide à l'accélération et dans les côtes quoi. Les côtes. Et ça c'est un châssis spécial pour cette motorisation ou ça peut s'ajouter après coup? C'est tout à fait facile à rajouter par après. D'accord. Donc on peut s'acheter un vélo non motorisé et ensuite ce sont des pièces que nous vendons. Donc les tôles ici on les fixe sur la fixation de la suspension. D'accord. On introduit le moteur. Et il faut rallonger la chaîne par contre, on a oui. Un tendeur de chaîne qui vient tendre la chaîne et ensuite il faut juste connecter l'électrique, la batterie, le contrôleur et c'est fait. D'accord. Et ben c'est chouette tout ça. Avec cet engin, tu as déjà fait quelques voyages, quelques sorties? Ah oui, bien sûr. J'ai fait une dizaine de longs week-ends. Ouais. Donc avec mon épouse, qui a aussi un grand chien, un vélo similaire. Tout le bagage, chien, tente, alimentation, tout on a casé ici sur le vélo. D'accord. Hein. Et on a fait des sorties, comme ça, de 2-3 jours. Visiter la République tchèque. Et oui, c'est vraiment un engin qui peut être utilisé pour les vacances.
D'ailleurs, on prévoit un grand voyage en Europe en été. Je suis en train de construire un toit avec un panneau électrovoltaïque, ce qui permettrait une autonomie totale. Dans un jour ensoleillé, même en roulant toute la journée, la batterie ne devrait pas s'épuiser. D'accord. Et donc la version avec un panneau solaire, ce sera juste un essai pour toi ou ce sera une version qui sera commercialisable? Je ne pense pas le commercialiser, je pense que la base. Oui, moi, je profitais de mes vacances de Noël en Tchéquie pour faire une petite vidéo de cette nouveauté chez Katanga. Alors évidemment, si vous voulez plus d'informations, c'est sur le site pony4.bike. Bientôt en français. Bientôt en français. Après, Google vous permettra de faire la traduction en attendant. Et puis, nous souhaitons une bonne aventure pour ce nouveau modèle, beaucoup de potentiel, une nouvelle clientèle en fait, hein, parce que les vélos mobiles n'ont rien à voir finalement avec l'engin. Ici, on a bien compris que c'est pas fait pour la vitesse ou la performance pure, c'est fait pour l'utilitaire ou simplement pour s'amuser, se voyager, se faire plaisir. Et bien, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.